Ok. À bientôt, monsieur le ministre. Ou quoi? Je ne vous ai jamais vu. En plus, je suis très occupée. Si vous êtes un rêve, ne venez pas m'embêter quand je suis réveillée. Je ne suis pas un rêve. Je crois que vous perdez votre temps à essayer de parler à ce type. Je crois que vous avez raison, ce ministre de la Justice est têtu. Arrêtez de dire du mal de moi dans ma tête! Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de louche dans ce kidnapping? Louche? C'est vrai, elle demande de procéder à une exécution qui est déjà prévue. C'est ce qu'a dit le ministre, ce kidnapping n'avait vraiment aucune raison d'être. Vous avez raison. Est-ce que vous parlez encore à quelqu'un? Ce n'est pas possible! Non, non. Je suis un réaliste! Je n'y croirai jamais! Pas à l'existence des fantômes, ni à l'évasion de cette prison, ni à ce kidnapping! Ce réaliste fait l'impasse sur plusieurs faits bien réels. C'est clair. Peu importe, on va essayer d'en savoir plus sur ces kidnappings. Après tout, je sais où se trouvent les kidnappeurs. Non, c'est vrai, vous avez leur numéro de téléphone. Je crois que je vais aller voir à quoi ressemblent ces kidnappeurs. Je devrais aller rendre visite à la planque des kidnappeurs. Après tout, si on veut que les ministres de la justice se rétablissent, il faut résoudre ce problème. J'ai l'impression de m'éloigner toujours plus de mon propre mystère. Je ne suis toutefois pas le genre de type à abandonner une demoiselle en danger. Je ne vais pas m'arrêter là. Nouveau chapitre. La fille du ministre de la Justice a été kidnappée. Les kidnappeurs demandent l'exécution de Yod. Ils demandent que l'exécution ait lieu ce soir. Assure que cette exécution est une erreur, je la crois. Je vais me rendre à la planque des kidnappeurs pour voir ce que je peux apprendre sur cet enlèvement. Pourquoi tu as mis autant de temps? Ton instinct t'a pas trompé, ma chère Beauty. Le restaurant est cerné, ça m'a pris un temps de dingue pour les lâcher, et mon pauvre vélo est bon pour la casse. La prochaine fois, tu prendras un tricycle pour ne pas te faire mal. Ah, tu as fait mal, Beauty. Tant ce que j'aime chez toi. C'est un peu beaucoup la pièce où il y a eu le cadre avec le pistolet, le cadeau et tout. Sois un peu plus doux avec notre cher otage. Je sais, une femme doit toujours avoir le sourire, n'est-ce pas, ma chère Beauty? Regarde, Beauty, un sourire se dessine aussi sur ton visage, ma chère. Oui, un sourire désabusé. Je vais aller m'aérer un peu. C'est à ton tour de monter la garde. Entendu! Je vais rêver de toi jusqu'à ce que tu reviennes. Pourquoi tu n'ouvres pas la valise pour notre invité? Je vais le faire, Beauty. Je faisais une petite pause. Viens, petite demoiselle. Je vais ouvrir cette valise.
Alors, c'est soit Camilla, soit la gosse de... Ok. Soit la gamine du Premier ministre. On dirait bien que la fille du Premier ministre a été kidnappée, mais encore une... Il y a autre chose qui me gêne. Je ne pense pas être déjà venue ici, mais ça me rappelle quelque chose. J'ai une étrange sensation de déjà-vu. Mince. Je ne peux pas atteindre ma destination ici, d'ici. Pardon. Thank you.
C'est le genre de phase de jeu que j'adore. Ah, c'est Camilla, je m'en doutais. Soit ils sont plantés de filles, soit ils l'ont fait exprès. Non, non, mais je m'en doutais à 90% que c'était Camilla. Passe là-dedans, cette petite demoiselle, c'est... Est-ce que c'est bien la fille du ministre de la Justice? Comme je disais, une femme doit toujours avoir le sourire. Je voulais que notre invité soit bien traité. Et si tu commençais par bien me traiter, je voudrais du pain et du lait, s'il te plaît. À ton service, ma chère. Je reviens immédiatement. Monsieur. Oui, jolie petite demoiselle. Vous voulez plus de jus? Suffit de demander. J'ai été kidnappée. Ne crains rien, ma petite, tu ne dois pas avoir peur. Je sais que cet endroit, elle est dégoûtant, mais il faut que tu sois un peu patiente. Ne dites pas des choses méchantes sur cette maison. Hein? Cet endroit est mon ancienne maison. Quoi? Je suis désolée, ma petite. C'est moi qui suis sale et dégoûtant. Excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Beauty? Pourquoi est-ce dans l'ancienne maison de cette petite? Je n'en sais rien. C'est notre interlocuteur dans cette affaire qui a choisi cet endroit. Ah, je vois. Ça fait 5 ans qu'elle est vide. Apparemment, plus personne ne vient ici. Bref, ça vient, ce pain et ce lait. Oh, bien sûr. Tu ne fais pas de bêtises pendant que je suis partie. Lis ton livre et bois ton jus de fruits. Je veux rentrer chez moi. Pas tout de suite. Tu me sens fou, elle. Ok, good enough. Je lis mon livre. Cet endroit délabré était l'ancienne maison de Camilla. Que se passe-t-il ici? La valise chaise longue, j'achète. Hein. Complètement. Marrant parce qu'on dirait une boîte de pêche, en fait. C'est con, hein, mais les valises à plusieurs niveaux. Ça, c'est typiquement un truc que tu utilises pour la pêche. Comment ça se fait? Ah oui, elle a un noyau, pourtant elle est pas morte. Pourquoi cette petite demoiselle a un noyau comme il est mort? Quand je l'ai aidée à sortir de l'appartement de Lynn, elle n'en avait pas. Ça veut dire
qu'elle a dû mourir par la suite. Ça veut aussi dire que quelqu'un d'autre l'a sauvée. Ouais, à mon avis, c'est... Le flic qu'on a sauvé du camion, à mon avis. Je ferais mieux de lui demander ce qui s'est passé. Keller ! Mais c'est toi, Missile ! Missile ! Je suis désolée, mais je ne suis pas Missile, je m'appelle Cicelle. Cicelle ! Je m'appelle Camilla. Camilla, c'est donc bien elle, je le savais. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Où suis-je ? Je ne sais pas comment dire à cette pauvre petite que c'est le pays des morts. Pays des morts ? Ça veut dire que je suis morte ! Zut, j'ai oublié qu'il n'y a pas de secret dans le monde des fantômes. Calme-toi, tu n'es pas morte. Apparemment, ce n'est pas la première fois que tu es venue dans ce monde. Ah bon ? Je ne me souviens pas. Attends, peut-être que je me souviens, plus ou moins. Ah oui ? On dirait qu'elle ne se souvient pas très bien avoir déjà été sauvée. Il y a donc d'autres morts avec des pouvoirs spéciaux. Je ne vais quand même pas trop insister si elle ne se souvient pas de sa mort. Ça te dérange si je te pose quelques questions sur autre chose ? Bien sûr, je t'écoute, Sissi. Sissi, ouais. On m'avait confié une tâche ce soir. Je le sais, on t'a demandé d'aller au buffet poulet sur le boulevard du Moribond, c'est ça ? Oui, mais je n'y suis jamais arrivée. Je le savais. J'aurais jamais dû couper par le parc. Quel parc ? Le parc est Temsik. C'est un raccourci pour arriver au boulevard du Moribond. C'est là que les kidnappeurs t'ont attaqué ? Oui, Lynn disait toujours. Je n'aime pas ce parc. C'est pas ce truc effrayant. Parc Temsik. Si je fais, Lynn va être très en colère. Ah bon, pourquoi ça ? Parce que je l'ai laissée là-bas. La boîte à musique, elle est dans le parc. C'est vrai, la boîte à musique. Cette boîte à musique était cachée dans l'appartement. Je l'ai trouvée avec un peu de chance et de courage. Tu sais où elle était ? Je ne sais pas où ça. Je vais faire comme si je ne savais pas. Tu sais, tu peux la mettre d'aménager. Parce que je suis une enfant. Ah, oups. Qu'est-ce qui est arrivé à la boîte à musique ? Je l'ai cachée dans les buissons du parc, juste avant que ça n'arrive. Juste avant ? Oh, juste avant de te faire kidnapper. Je ne voulais pas que le vilain monsieur le prenne, alors je l'ai caché. Je parie qu'elle est encore dans le parc. Tu as raison. Comme ça, la boîte à musique est dans le parc. Je ferais bien de le dire à Lynn. Comme ça, c'est ton ancienne maison. Oui, j'habitais là jusqu'il y a 5 ans. Maintenant, j'habite avec Lynn et Missile. Lynn est un peu comme une grande sœur pour toi, ou je me trompe? Oui, c'est une détective, c'est une héroïne. Ah oui. En fait, à propos de ton père. C'est le ministre de la Justice ? Mon père est parti. Parti ? Il est peut-être mort. Non, ce n'est pas ça, mon père. Il va mourir. Ah bon, bah alors, ça, c'est la fille de Yacht. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'elle vit avec Lynn. À mourir et tout est de ma faute. Et c'était elle la témoin. C'est pas Lynn, du coup. C'est elle la témoin du meurtre. Comment ça ? Pourquoi ça ? De ta faute ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu appelles ça une exécution, mon père est un détective. Non, tu veux dire que ton père, c'est le détective Yacht. Bah voilà. Wouhou ! Voilà, hein. Moi aussi, je vais devenir un détective. C'est incroyable ! C'est passé quelque chose il y a 5 ans. C'était comme un rêve horrible, mais ce n'était pas un rêve. Il y a 5 ans, cette affaire de meurtre. C'était l'anniversaire de maman ce jour-là. Mon papa et ma maman travaillaient et j'étais toute seule. J'ai eu une idée, j'allais faire une surprise à ma maman. J'ai construit un mécanisme. Holy Mother of Doom. Si le meurtre s'est passé dans la maison... Oh putain, j'ai tout compris.
C'est ignoble, en fait, hein. Puisqu'on est dans la maison, et la maison nous fait penser au mécanisme qui a tué Lynn la deuxième fois, c'est que le vieux faisait une reconstitution du mécanisme de la maison. Donc c'est le mécanisme que la gamine a fait. Et ça se trouve, en fait, c'est la gamine qui a tué sa mère, et c'est le père qui a porté le chapeau, pour pas que sa fille soit enfermée je ne sais où. Wow! Ça pue! Mais pourquoi il y aurait... Oui, voilà, elle a allumé la lumière. Coucou ton mécanisme! Putain, mais pourquoi elle a fait ça, la gamine? Elle a pas compris que c'était un vrai fusil? La gamine, elle a inventé le mécanisme parfait pour tuer quelqu'un. Hein, voilà. Ne jamais avoir d'enfant. Moralité. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je connais ce mécanisme. Et je sais comment c'était censé fonctionner. Des pétards de table et un gâteau, un message d'anniversaire. Mon père m'a dit de ne rien dire à personne. Il a dit, je vais m'en occuper. Mon père a voulu être exécuté, il leur a demandé. Je voulais dire à tout le monde que c'était de ma faute. Mon père m'a dit que j'avais vu un rêve. Il m'a dit de tout oublier. C'est incroyablement tragique. Bah tu m'étonnes, putain. Paye ta tragédie, là. Je n'arrive pas à y croire. Cette petite demoiselle est la fille du détective Yoult. C'est tellement les plot twists à la Phoenix Wright. On sent la réflexion du... On sent que c'est de la même... Tim. Je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire pourquoi elle a été kidnappée. Pourquoi c'était ce que j'ai été kidnappée? Je veux savoir. Oups. Il n'y a aucun secret dans le monde fantôme. Nous devrions peut-être arrêter de parler, c'est trop dangereux. Si, si. Tu ne vas pas... Hein? Tu ne vas plus vouloir à me parler. Attends, tu ne vas... Oh là là! Pareil, les tournures de phrases, tu sens que c'est traduit littéralement parce que c'est vraiment pas naturel. Tu ne vas plus vouloir me parler? Puis lire pendant longtemps aussi, ça tue. Je pense qu'on devrait commencer par sortir d'ici. On reparlera plus après. D'accord, mais... Je vais t'aider à t'en sortir. Quoi? Tiens encore un peu, d'accord? Oui, on parlera plus tard. N'oublie pas, tu as promis, si, si. Non, puis lire à voix haute, tu te concentres vraiment sur tout,
le sens des phrases pour pas te planter. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. Parce que l'écran, ça va... Je suis dans une pièce relativement lumineuse, je mets la luminosité de l'écran très bas. Ok, pourquoi pas. Mais ça, tu vois, pour ça, je sais pas comment ça se règle dans OBS, en fait. Parce que j'aimerais bien mettre plus haut, mais... C'est mal indiqué dans OBS, ce genre de truc. Tu as mis du temps. J'ai parcouru la ville entière pour te trouver le meilleur pain et le meilleur lait, ma chère. Mais il est tard et tous les magasins sont fermés. Partons d'ici tout de suite. Quoi? Mais il n'est pas encore là. Si on ne peut pas le voir au restaurant, on n'était pas censé le retrouver ici. Oui. C'est lui qui a choisi cet emplacement. Je n'aime pas ça du tout. On arrête pas de changer nos plans, tout ça pour cette affaire. Bah moi aussi j'ai retouché parce que moi aussi c'était lui qui m'avait donné les réglages, mais c'était des réglages pour quand t'as une co vraiment super basse. Et là j'ai une co très bonne, donc c'est pour ça que j'aurais pu me permettre. Parce que là. Au niveau du bitrate, je l'ai mis à 1006, je crois. Enfin bon, de toute façon, faudra que je refasse tous des réglages en revenant, parce que quand je vais retrouver ma co toute pourrie en France, on peut rien y faire, cet endroit est... Oui, c'est possible aussi. Oui, bah je pense qu'il y a un truc comme ça, hein, c'est pas... Généralement, t'as toujours tout est bien qui finit bien, alors je me doute bien que ce sera pas la gamine à la fin, on va apprendre que ce sera quelqu'un d'autre, et gna gna gna. Mais pour le coup, ça aurait été bien de rester sur ça, genre la gamine a fait une connerie, et puis voilà. Les cons. Je te l'ai dit, mon sixième sens est très développé. D'accord, comme tu veux, Beauty. Je le sens, je sens quelque chose ici, dans cette pièce. Il y a quelqu'un, vous m'entendez? Elle me parle? Je peux sentir votre présence, vous savez. La prochaine fois que je sens votre présence, cet enfant mourra. Ne l'oubliez pas. Bon, on y va. Excuse-moi, ma petite. Tout à coup, je me retrouve seule dans cette petite, seule dans cette pièce où la petite demoiselle a perdu le sourire il y a 5 ans. Petite demoiselle est partie en me laissant de nouvelles informations, des informations très lourdes et très tristes. Est-ce que Lynn est au courant? Une autre chose me trotte encore à l'esprit, je sens votre présence, ces derniers mots de la ravisseuse. Est-ce que c'est de la save? Ces ravisseurs connaissent-ils le pouvoir des mains? Un émulateur qui pète un câble. Chapitre 12. Mais c'est pas une question de bitrate, c'est une question de... Est-ce que...
J'ai beau augmenter mon bitrate, ça augmente pas la qualité, tu vois. C'est pas significatif, en fait. Donc, est-ce que c'est... est-ce que, du coup, ça se scale sur mon CPU et que, du coup, ça va pas plus haut? Je sais pas, c'est bizarre. Mais le speed test, il te le donne déjà en... Ah, ok. Ah, faudra que j'essaye alors. On dirait que les kidnappeurs ont fait une grosse erreur. La jeune fille dans la valise est la fille du détective Yacht, Camilla, et non pas la fille du ministre. Oui, non, c'est vrai. Je peux le pousser vachement haut, en fait, alors. Quand je suis revenue au bureau du ministre de la Justice, les choses étaient en passe d'échapper à un tout contrôle. Notre jeune détective était en train de passer notre soucieux au grill. Il arrive ce soir, donc il faut que je parte à 21h. Bah oui, forcément. J'expliquais à Lynn ce que j'avais appris à propos de l'enlèvement. Que ce n'est pas la fille du ministre qui avait été enlevée. Que les ravisseurs étaient dans l'ancienne maison de Camilla, qu'ils étaient partis après avoir senti ma présence. Camilla ? Pourquoi ont-ils pris Camilla ? Son père n'est pas ce vieil idiot du ministre de la Justice ? Je ne crois pas que l'appeler vieil idiot était vraiment indispensable. On dirait que les ravisseurs ont fait une erreur. Pauvre petite, elle a été kidnappée et la rançon demandée à l'exécution de mon père. De son père. Oh. C'est vraiment trop. C'est vrai que c'est une sacrée ironie du sort. Et ce n'est pas la seule. Les ravisseurs qui se retrouvent dans l'ancienne maison de Camilla, ça ne peut pas être qu'une coïncidence. En plus, ils ont ressenti ma présence. Ils semblent connaître les pouvoirs des mains. Je suis complètement perdue. Je vous l'ai dit, détective. Ne restez pas trop près de moi. C'est pour votre bien. Qu'est-ce que la distance à avoir dans un moment pareil ? Écoutez, monsieur le ministre, ce n'est pas votre fille qui a été enlevée. Ne faites pas comme si vous n'aviez pas entendu ce qu'on nous a dit, ce que nous avons dit. Comment puis-je vous croire ? Je suis un réaliste. Si vous ne croyez pas ce qu'on dit, vous n'avez qu'à vérifier. Appelez chez vous et... J'ai essayé. J'ai essayé une centaine de fois, ma femme ne répond pas. Elle ne répond pas. C'est compliqué. Pourquoi la vie doit-elle si compliquée? Si elle ne répond pas, ça ne veut pas dire que tout est normal. Ça ne prouve rien. On me surveille en plus. On va envoyer la police vérifier. Plus si l'exécution n'a pas lieu ce soir, Moutage sera tué. Quelle différence ça fait si ce n'est pas ma fille? Ah bon, je savais pas qui c'était alors du coup j'ai pas dit. Je t'ai manqué bébé. Inspecteur Cabanella. C'est tellement le beau Jack, hein, quand même, c'est fou. J'ai un petit rapport pour vous, monsieur le ministre. Le prisonnier qui s'est enfui a été arrêté. Je me suis dit que vous voudriez le voir. Le voici. Tiens donc. Détective Yacht. Je suis désolée, j'ai essayé. Je
Je sais que vous êtes innocent. Je n'arrive seulement pas à le prouver. Je suis vraiment désolée. Je pense qu'elle sait pas, du coup. Elle sait pas que c'est la gosse, parce que sinon elle essaierait pas de prouver l'innocence de Yacht si elle savait que c'était Camilla. S'il te plaît, ne t'excuse pas. Ah, cet amour entre un professeur et son élève, ça me ferait presque pleurer. Et moi, je suis le mieux. Vous étiez au courant, n'est-ce pas, inspecteur Cabanella, que l'exécution allait avoir lieu ce soir? Je ne pense pas que j'étais tenue de vous le dire. Et ça ne vous dérange pas plus? Vous savez comme moi. Le détective Yacht n'aurait jamais pu faire ça. Allez bébé, qu'est-ce que j'en sais? Il y a deux choses dont je suis sûre. Primo, il a été condamné à mort. Et deuxio, il essaie de s'évader. Qu'est-ce que je pouvais faire à part l'arrêter, bébé? Dans ce cas, pourquoi vous l'avez amené ici? Que veux-tu dire? S'il s'est enfui de la prison, pourquoi vous ne l'avez pas ramené là-bas? Vous l'avez ramené ici. Pour vous vanter de vos exploits, ce n'est pas vrai, inspecteur? Uniquement pour des raisons personnelles? Ces rumeurs sur vous étaient donc fondées. La seule chose qui vous intéresse est d'avoir une carrière sans tâche. C'est plus important pour vous que de sauver un ami. Chaque personne a des principes qu'il ne peut pas renier, moi le premier. Tu comprendras ça un jour, bébé. En fait, le grand méchant, c'est Cabanella, tu sais. Ça suffit, Lynn. Détective Yacht! Je suis un condamné à mort qui s'est échappé de prison, c'est ainsi que c'est à toi de. Mais! Ma pauvre Amélie, est-ce qu'elle va bien? En fait, la jeune fille qui a été kidnappée s'appelle Camilla. Pourquoi un rêve est-il encore en train de me parler dans ma tête? Attendez, Amélie? Ce ne serait pas l'Amélie qui habite à côté de chez nous? Oui, je crois. Je ne savais pas que le ministre de la Justice habite à côté de chez moi. Non, pas moi, ma femme, c'est compliqué. Oui, je suppose qu'il a du mal à avouer qu'elle est partie. La femme du ministre est partie? Ils se sont peut-être éloignés l'un de l'autre car ils étaient très occupés. Oui, je suppose que vous avez raison. Arrêtez de parler de moi dans ma tête! Alors, monsieur le fantôme, on se retrouve. Il paraît qu'il y a peu... qu'il y a eu un kidnapping. Des ravisseurs disent avoir enlevé la fille du ministre de la Justice. C'est horrible, que veut-il? Ils veulent que votre exécution ait lieu ce soir. Mort! Je ne savais pas qu'on me détestait à ce point. Le ministre ne doit pas s'inquiéter. Je meurs et c'est terminé, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple! Pourquoi? Parce que ce n'est pas la fille du premier ministre qui est ministre de la Justice qui est enlevée. Camilla! Comment? Camilla! Je vais vérifier moi-même. Non, c'est impossible! D'ailleurs, Camilla m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que la personne qui a tué sa mère il y a 5 ans, c'était elle. Quoi? Oh, qu'est-ce que vous racontez? Ne l'écoute pas! C'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui ai tué Alma.
Quand je mourrai ce soir, tout sera terminé. Qu'elle n'aura plus à souffrir après ce soir. Pour un détective intelligent, vous dites beaucoup de choses incroyablement stupides. Votre mort ne marquera pas la fin des souffrances de votre fille. Cela ne fera qu'en ajouter. La seule souffrance que ça soulagera, ce sera la vôtre. C'est vrai ce que Camille a dit. Pourquoi vous ne lui dites pas ce que vous savez? Pour être sincère, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'était l'anniversaire de ma femme, alors. Nous rentrions du travail, elle est rentrée la première. J'ai cherché qui avait tiré, mais il n'y avait personne. Il n'y avait que Camilla et Alma seulement, et... Ainsi, la mère de notre petite demoiselle est morte devant ses yeux. Oh, c'est vraiment horrible! Ce thème fait très Phoenix Wright, par contre. C'est ce que j'étais en train de me dire. Camilla m'a tout raconté, elle a dit que son mécanisme avait fait une chose qu'il ne devait pas faire, quelque chose d'impossible. Et quelque chose d'impossible? Oui, bah c'est sûrement ça, quelqu'un a modifié le mécanisme. Et à mon avis, c'était pas sa femme qui était visée, c'était lui. Ça fait 5 ans maintenant, j'arrête d'y penser. J'ai tué Alma, il n'y a pas d'autre explication. J'ai réussi à faire croire ça à tout le monde, même à moi. Mais ce soir, vous m'avez offert une explication à laquelle je n'aurais jamais pensé. Le pouvoir des morts, c'est ça? Oui, c'est un mort, en fait, qui a fait ça. Et plot twist, tu vas dire que c'est la lampe. Oh là là, oh le bordel, oh le dawa. Mais je suis en train de réfléchir parce que je me dis, si c'est quelqu'un qui a utilisé le pouvoir des morts en sachant qu'une personne qui utilise le pouvoir des... Enfin, qui... Une personne morte, elle disparaît au bout d'une demi-journée, mais la lampe, on sait pas quand elle est... Quand la personne de la lampe est morte. Imagine si c'est le mec du parc il y a 10 ans. Pour se venger, du coup, qui est dans la lampe, ça colle pas, étant donné qu'un... Enfin bon, on verra bien. Ce jour-là, dans cette pièce, des pouvoirs qui m'aient dépassé étaient à l'œuvre. Si c'est le cas, cela résout tous les mystères. Peut-être pas tous, il y a d'autres personnes qui connaissent ces pouvoirs. Le ravisseur de Camilla connaît ses pouvoirs. Ce n'est pas un kidnapping ordinaire. J'ai l'impression que l'affaire concernant ma femme n'est pas encore terminée. Je suis le seul qui pensait le contraire. Détective York. Il nous reste encore du temps avant l'aube, enfin un peu. Et si nous résolvions cette affaire une bonne fois pour toutes? Je sais pas. Parce que ça, normalement, c'est pas possible. On verra. Camilla était une petite fille calme, mais elle était habile de ses mains. C'était un petit génie, elle fabriquait toujours des jouets, des machines compliquées. Mais il y avait deux points très étranges dans ce mécanisme. Le premier était...
tiré par ce pistolet. Exactement, c'était un vieux pistolet qui était en exposition depuis des années. Il ne faisait donc pas partie du plan de départ de notre petite demoiselle. Bien sûr que non, elle préparait une surprise pour l'anniversaire de sa mère. L'autre point est... L'autre point étrange était le mouvement de cet ange. Ah, il a tourné. Il aurait pas dû. Bah oui, il devait tirer de l'autre côté pour allumer les bougies, comme nous on a fait. Sauf que là, en fait, il était du mauvais sens. Parce que nous, c'est comme ça qu'on a réussi à sauver le mécanisme, à modifier le mécanisme et à sauver Eline. C'est qu'on avait réussi à retourner l'ange et l'ange avait allumé les bougies. Et c'était ça, à mon avis, qu'il devait faire à l'origine. Bah ça, il devait pas l'être. Voilà, là, l'ange a tourné tout seul, en plus, en fait. Donc c'est quelqu'un qui l'a tourné. Oui, ça peut être que ça, en fait. Il devait lancer sa flèche sans se tourner. Quelqu'un a modifié les plans de ce mécanisme sans les servir. Ça me laisse sans voix. Je n'avais pas eu le temps de penser à quoi que ce soit sur le coup. Mon unique but était de protéger Camilla. J'ai donc apporté une petite modification à la scène et je me suis rendue. C'est ça, j'aurais dû être détective. Je ferai une reconversion. Quel genre de modification ? Le pistolet, bien sûr. Le pistolet, maintenant que j'y repense. Oui, il y en a pas là. Il y en a pas. C'est vrai que moi aussi je l'ai remarqué ça, mais. Il n'y avait pas seulement un tableau au mur. Pas de pistolet. Bien sûr que non, j'avais échangé le pistolet contre ce tableau sans rien dire. Ah oui, bah oui, c'est lui forcément. Je n'avais pas cru ce qu'elle m'avait dit à propos de son mécanisme. En revanche, j'étais sûre d'une chose. Le pistolet fumait encore. C'était donc bien ce pistolet qui avait tué Abla. J'ai caché le pistolet avant d'aller à la police. Vous l'avez caché? Je l'ai mis dans une boîte en bois et je l'ai donné à une certaine détective. L'arme est dans la boîte à musique. Ok. Quoi, vous voulez dire? Et cette détective croit que c'est toujours une boîte à musique. C'est donc ça qui était dans la boîte. J'avais une autre arme prête pour la police, mon propre pistolet. J'ai encore fait un peu de ménage, je ne vais pas entrer dans les détails. Une fois tout cela terminé, je me suis rendue. Détective Yod, vous nous avez bien dit la vérité. Oui, bien sûr. Dans ce cas, nous avons encore le temps. Encore le temps. Le temps de résoudre cette affaire qui a commencé il y a 5 ans. Vous êtes innocent, détective Yod. La petite Camilla n'a rien fait non plus. Le véritable coupable est toujours en liberté et je vais le trouver. Pour Camilla. C'est une idée fantastique. Merci, détective Yod. Lynn, où se trouve la boîte à musique maintenant? Au parc Temsik, Camilla l'a caché là-bas. Ce pistolet est d'une importance capitale, tu ferais mieux de le récupérer. Oui, monsieur, j'y vais immédiatement.
Cell, occupez-vous du détective Yu. Faites quelque chose pour ce kidnapping afin que le ministre soit de notre côté. Une fois de plus, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout, monsieur le condamné à mort. Un petit changement de plan. Ma fille a été kidnappée, je ne peux pas mourir sans rien faire. Mais t'es prisonnier, n'oublie pas, tout le monde t'attend à la prison. T'ont même réservé un joli fauteuil, ma boule. Dans ce cas, on a intérêt à prouver mon innocence le plus vite possible. Le plus vite possible? T'as l'air plus que déterminé, vieille branche. J'en sais rien, on verra. Je veux sauver Camilla, elle ne sera plus sauvée du reste. C'est tout ce qui compte. Là, je comprends, vieille branche. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre? Puis-je vous demander votre réponse? L'exécution doit-elle avoir lieu ce soir comme prévu? Nous devons la suspendre et attendre ses preuves d'une importance capitale. L'ordre reste toujours valable. Ramenez le prisonnier immédiatement et reprenez l'exécution. À vos ordres, votre excellence. Et ne vous courbez pas devant moi, s'il vous plaît. Surtout pas si bas. L'un de vos hommes pourrait-il demander à la prison d'envoyer un fourgon pour le prendre? À vous de jouer! Il laisse son robot son tabouret. Le fourgon devrait arriver d'ici une dizaine de minutes. Ton évasion de ce soir était superbe. Vas-tu encore accomplir un miracle dans les dernières minutes qui te restent? Excusez-moi, monsieur le ministre. Je ne veux pas vous entendre, la la la. Je suis sûre que vous avez entendu tout ce qui s'est dit. Vous êtes en train de me dire que vous ne me croyez pas? Pour vous dire la vérité, je ne vous fais pas confiance, mais s'il y a quelqu'un en qui j'ai encore moins confiance... Ah oui, qui ça? Moi! Votre existence n'est pas quelque chose de normal, mais je ne suis pas normal non plus. Vous n'êtes donc peut-être qu'un fragment de mon imagination, une hallucination? Est-ce que vous écouteriez une hallucination? Pour être sincère, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais j'ai quand même compris que vous ne me faisiez pas confiance. Ou bien... Comme je le pensais. Cette petite fille est bien au chaud dans son lit. Meurtre, exécution, évasion, trahison et maintenant kidnapping, ce dernier événement a allumé un feu dans le cœur de Yu. Et la possibilité de tout changer se trouve dans cette pièce. Une étrange prémonition. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici a un lien avec moi du néant. Et je parie que c'est un événement raté aussi. Je suis retournée dans l'appartement de la romancière. J'espère pouvoir faire quelque chose pour résoudre cette histoire de kidnapping raté.
certain doute que sa fille ait été kidnappée, je ne pense pas que le ministre de la Justice suspendra l'exécution prévue cette nuit. Celle qui pourrait lever les doutes du ministre est Chloé Oli. Je dois trouver une solution à ce problème avant que le fourgon de la prison ne vienne emmener notre condamné à mort. Petit ange, oh cette vilaine fille, tu ne serais pas sortie de ton lit douillet pour aller jouer dehors en pleine nuit. Tu l'as dit, une fille de ta mère. J'avoue que je n'avais même pas remarqué que tu étais sortie. Je ne suis pas allée jouer dehors. Je suis allée acheter un cadeau pour l'anniversaire de papa. Elle dit qu'elle voulait un nouveau briquet. À une heure si tardive. Ma fille aurait été tombée. Je vous appelle bouger avant. Mais regarde le résultat maintenant. Ta fièvre est remontée et c'est encore pire qu'avant. Ah mon petit ange, j'ai son caractère fiévreux. Maman ? Oui, mon ange. On pourrait appeler papa pour lui donner bon anniversaire, les menus passés. Pas ce soir, Amélie. Je te déteste! Je crois bien qu'à aucun moment cette petite n'a été en danger. Je le savais déjà, mais je suis tout de même rassurée. En plus, il y a un point positif dans tout ça. Amélie va appeler son père. Je vais voir si je peux tirer parti de cette motivation. Cela permettrait sûrement de convaincre le ministre de la Justice. Amélie, je t'ai dit qu'on ne l'appellerait pas ce soir. Pourquoi pas ? Écoute-moi, Amélie. Mon père est sur le point de commettre une grosse erreur. Je veux qu'il réfléchisse un peu. Et se danser, maman ! Il est quand même ministre de la Justice ! Ah, tu te fais guérir des romans bizarres ! Ouh là là ! Qu'est-ce que tu veux dire, romans bizarres ? Tu oses dénigrer mon aspiration romantique ? Là ! Tu m'as vraiment mise en colère, tu peux me croire. Tu penses vraiment que je vais laisser passer cette insulte? Je déteste! Ah, du coup, elle a rapproché le... Écoute bien, à partir de maintenant, je t'ai à l'œil. Tu n'auras plus rien dans mon dos. Comme essayer d'appeler ton père. Je déteste! Je peux t'entendre, tu sais. Eh ben, il y en a des trucs à faire. We'll be right back.
rien, donc on se balade, cher petit rongeur. Une bonne nuit. Le ratou. De toute façon, fallait le faire pour que le lustre soit balancé, du coup. Soit penché. Crucial. Bien entendu, cette atmosphère tamisée est idéale pour mon histoire de monde. Je n'aime pas trop le noir, personnellement. J'ai failli me prendre ce lustre sur la tête. J'adore le romantisme, mais je préfère me garder des émotions de ce genre. Je vais cramer le rat en plus, mais c'est horrible. Ah non, j'ai eu tellement peur. Je me suis dit, mais non, faut pas faire ça. Mais je peux pas le pousser, ça. Que je puisse pas le pousser, en fait je peux pas m'en servir. Alors c'est ça qu'il faut faire, il faut pousser le lustre, enflammer ça là-bas, donc
le balancier de l'horloge, allumer le chandelier là-bas, et voilà. Ah, mais je sais en fait, ok. Ah, mais là, je peux plus rien faire, enfin. Oui, puis là, je peux pas remonter dans. Je me suis dit en fait il fallait peut-être faire tomber le rat quand elle est là. Le rat il lui tombe sur la tête. Mais je peux pas bouger. Mais le rat ça l'a pas fait tomber d'ouvrir le loquet donc. Et puis ça n'a rien fait. Oh, mais je suis con. Je suis trop con. Oh là là. Oh la souplesse. Ouais, y a aucun moyen que je peux pas la tuer quoi. Enfin l'assommer au moins. Mais... Ah ça y est. Elle est coincée. Amélie au secours. Je suis désolée, mais j'ai la tête qui tourne, je n'arrive pas à me lever! Je ne peux pas t'aider pour l'instant! Non, mon ange, j'ai la fièvre qui la cloue au lit. Thank you.
qu'est-ce qui se passe? Amélie, écoute, tu as vu ça? Viens m'aider, s'il te plaît. Hé, je suis trop malade, je peux pas sortir du lit. J'ai dit, tourne! Va falloir que tu restes là, ou tourne toi aussi. Elle, elle va bouger, elle, le lustre. Oh, Laura! Les vivants! Les vivants, Laura! Le pauvre. Ouah, c'est le rat qui va allumer la... Oh, le pauvre. Oh, mais quelle horreur. Coucou! Ça s'est bien passé tes cours? Ah oui, non, on a loin d'être fini, hein, je pense. Hein. À mon avis, j'aurais même pas fini encore pour quand je serais partie. Oh, si, si. Ouais, c'est ça. Ah, super. Maman, tu me donnes une minute que j'appelle papa. Je vais vite. Eh ben, ouais, je connais ça. Bon, 2 heures d'anglais, quoi. Beaucoup d'y aller. Non, mais souvent les cours d'anglais de fac, c'est pourri. Hein. Enfin, j'ai eu très peu de bons cours d'anglais à la fac. Il y a juste une prof que j'adore, que j'ai eu en licence et un petit bout en master. Mais on se faisait chier parce qu'il y avait tellement d'écart de niveau dans les classes, vu que les classes, c'est pas des classes de niveau. Bah, t'avais ceux qui parlaient super bien anglais, qui s'emmerdaient, ils préparaient même pas. Enfin, je veux dire, on faisait des roleplays en groupe, on préparait jamais rien. Parce qu'on savait parler et t'avais des gens qui avaient même pas qui savaient pas aligner 3 mots. C'était terrible. Ah ouais, super. Ah, t'as mis 6 connaisses. C'est toi! Bien sûr que c'est moi! Mais je croyais! Mais j'ai entendu! Ils ont dit que tu étais! Non, rien, ce n'est rien. Mon vieux papa qui débloque! Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire? C'est vrai, c'était mon anniversaire aujourd'hui. Désolé! On n'a pas pu le fêter ce soir! Cosma Sazan, maman! Oh, ta sorcière de mer, ta mère, que fait-elle en ce moment? Oh non, elle peut redescendre dans son nuage! Comme si elle était prisonnière! Elle cause tellement de problèmes à tout le monde, une petite leçon lui fait pas de mal! Non, Abby. On boit même le niveau en master, hein, si tu savais, oula! Bah bon, moi après, pour mon master, j'étais dans un groupe d'anglais où c'était des gens qui avaient quasi jamais fait d'anglais en fait, parce qu'ils en ont jamais eu besoin. Donc du coup, ils avaient tous quasiment un anglais pourri. C'était les psychos. Des psychos et culture du monde. Sachant que bon, psychos et culture du monde, voilà. Donc ça se comprend, mais.
Putain, tu dis quand même quoi, les gens. Beaucoup de trucs sont en anglais et tout. Enfin, des fois, c'est incroyable de voir le niveau d'anglais des gens. Enfin, surtout des gens niveau université, j'entends quoi. Faut quand même quoi, les gars. C'est moi qui ai causé des problèmes à tout le monde. Hein? Pourrais-tu dire à ta mère que je suis désolée? De quoi? J'étais sur le point de commettre une terrible erreur. Mais tout va bien. Oh, d'accord. Il est encore jeune. Il y a des choses que je ne peux encore t'expliquer. Le métier de ministre de la Justice est très compliqué. Je comprends. Et n'oublie jamais, il n'y a rien de plus important au monde que toi et ta mère. Toi pour ta mère et moi. Oh là là. Est-ce que tu as joué un méchant tour à ta mère? Si c'est le cas, tu dois aller t'excuser. Je crois pas avoir fait quoi que ce soit, mais je m'excuserai quand même. Tu es une fille adorable. Venu, papa, je t'aime. Je t'aime aussi, ami. Venu, mon gars. Oh putain, sérieux? Je veux bien pour des langues qui soient plus compliquées, genre mes élèves, combien de fois je les ai vus en train de taper sur Google Trad pour des trucs en français, mais tu dis encore oui, ok, le français n'est pas non plus appris partout, c'est pas évident. Mais l'anglais, en sachant que ça s'exporte super facilement et que c'est pas une langue extrêmement difficile, faut pas déconner quoi. Maman! Je suis désolée! Eh bien, pourquoi un changement si soudain? J'ai tort de parler comme ça, je comprendrai pas. Oh, Amélie. Je croyais que tout ce que tu faisais était écrire un roman bizarre. Ça me désole que tu aies pu penser ça. Papa a dit que le métier de ministre de la Justice est compliqué. Oh bah oui, non, mais puis dans toutes les langues, hein, ça fait des trucs, c'est chelou. Hein. Oui, le métier de ton père est très très compliqué. Très très difficile. C'est pour ça que je pouvais à peine t'en parler. Mais tu as raison, je ne devrais plus te traiter comme une petite fille. Tu as grandi. Le premier ne peut dire que tes romans sont bizarres. J'essaierai de les lire. Hein? Oh, tu devrais peut-être attendre d'être un peu plus grand. La maman qui écrit Fifty Shades of Grey. D'accord. Amélie, puisque tu es un peu plus gentille avec ta vieille maman, je crois que tu pourras me faire descendre maintenant. J'aimerais vraiment pouvoir. J'ai encore la tête qui tourne et je me sens normal pour l'instant. Cette nuit était sacrée. Cette nuit, je devais finir mon livre. Malheureusement, ce n'est pas sur mon livre, mais dans ce lustre que je passerai la nuit. Au petit ange de papa et sa maman. Tout à coup, tout le monde s'entend à nouveau bien. C'est un changement si soudain, je n'arrive pas à comprendre. Donc ça a une famille. Toujours est-il que la situation a bien changé maintenant. J'espère que le mystère qui m'entoure disparaîtra aussi rapidement que les rides qui barrent le front du ministre. Je ne sais pas où est Camilla. Mais les doutes du ministre sont levés, c'est déjà ça. Je crois que je vais retourner à son bureau, où tout le monde attend l'arrivée du four.